les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Océane pour cette fois-ci, à son tour, ses fournitures. Pour quelle classe, Loulou? Tu rentres en quelle classe? CP. En CP, ça y est, c'est fini la maternelle pour toi. Donc aujourd'hui, on s'est muni de la liste des fournitures. Et puis, on est au magasin et on a plein de sacs autour de nous parce qu'Océane va choisir son premier vrai cartable. Eh oui, un vrai cartable. Parce que jusqu'à maintenant, elle avait des tout petits sacs pour mettre le goûter, des petits sacs de maternelle. Et cette année, ça y est, tu vas prendre un vrai sac. Donc, est-ce qu'on commence par le sac? Alors, bien sûr, on a la liste, elle est ici. Oui. Alors, est-ce qu'on commence par le sac? Ouais. Ok. Alors, peut-être qu'ici, ça va être pour les grands. Voilà. Ça va être pour les grands. À roulette, tu es sûr? Tu es sûr à roulette? Alors, regarde, on va regarder de l'autre côté, peut-être les cartables pour ton petit dos. Parce que ça, c'est beaucoup trop gros, louloute. Et non, c'est trop grand pour toi. Viens, c'est de l'autre côté, chérie. Les voici, les voilà, les cartables. Alors ça, ce sont les sacs, comme je vous disais, de maternelle. Voilà, ça c'est fini. Et maintenant, on va plus partir sur des cartables comme ceci, voilà, qui sont trop choupinous. Alors Océane m'a dit qu'elle en voulait un à roulette. Oui. Voilà, ça y est, elle a fait la catastrophe. Lui. Lui, ça y est, t'as déjà choisi? Attends, on l'essaye. Ah bon, on l'essaye, bon, ok. Bon, Océane, au moins c'est rapide. Hein. Il est violet. Il est rose, il est beau. C'est bon? Tu t'en sors? Alors fais voir un peu. Waouh, il est trop beau! Ouais, il est super! Attends, on essaye lui. Tu vas essayer celui-ci, mais celui-ci n'a pas de roulette, Louloute. Ah oui. D'ailleurs, tu peux le ranger aussi accessoirement. Ce sera mieux. Ouais, tu as tout mis par terre, hein, mis le bazar, Océane. Lui aussi, tu peux le ramasser. Mais lui, il a roulette. Non, il n'est pas roulette? Si. Si, tu veux l'essayer aussi? Ouais. Ok, bon, on essaye le deuxième. Après, moi, je vais regarder ce qu'il y a. Bon, il n'y a pas grand-chose à roulette, hein. Tu sais, en cartable. Il y avait du, mais je trouve qu'il y a. Alors, celui-ci, fais voir. Ah. Ah, il est un peu plus noir. Il y a toujours du violet, mais je préfère l'autre. Ah, il est trop lourd. Ouais, il est plus lourd. Ok, moi, je préférais l'autre. Ça a été plus joli. Il t'allait beaucoup mieux. Bon, on prend celui-ci. Ok, au moins, ça a été rapide. Allez, sur le dos. Allez, on part à l'école. Mais non, maman, c'est encore les vacances. Bon, ok, qui dit cartable dit peut-être trousse, non? Ouais. T'es où? Là, je suis. Est-ce que tu veux prendre une trousse, vu qu'on est en rayon des trousses? Oui, aussi une gourde, parce que... Aussi une gourde? Bon, on verra ça après. L'autre. Océane, la catastrophe. Alors, regarde, là, on a des trousses. On a des grosses trousses, des petites trousses. On a du rose. Elle a sorti un cartable. Regarde. Voilà. Super. Elle est double en plus. Elle est double, cool. Ok, ça elle y est. Elle est normale ou quoi? Tu vois? Elle est normale ou non? Elle est jolie. Non, ça en suffit. En plus, elle est assortie à mon parc. Oui, ça suffira, je pense. Ouais, elle est assortie. Elle est trop belle. Ok. Donc, on va se munir de la liste et on va commencer les petites fournitures. La gourde. Bon, on verra la gourde après, Louloute. Alors, ça y est, Louloute, j'ai la liste. Et il faut commencer par deux stylos à billes bleues, bic, pointe moyenne. Ok. Donc, on va au niveau des stylos. On sait où c'est ici. Ils sont derrière. Donc, il nous en faut deux, Louloute. Cool, tu sais tout où c'est, toi, hein? Ils sont où les stylos? Ils sont ici. Le rayon de stylos au crayon. Alors, il y a l'embarras du choix au niveau des stylos. Océane en veut qui s'efface, mais par contre, il faut une bille absolument. Donc, ceux-ci là que Corentin prend ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas à billes. Ouais, ils sont à cartouche. Ils sont à cartouche, exact. Alors, ceux-ci, est-ce qu'ils sont à billes? Non, ils ne sont pas à billes. Je sais pas. C'est pas du bille. Je les ai déjà pris. Non, c'est pas du bi. C'est du cartouche. Ce n'est pas du bi. Ok. Les amis, j'ai trouvé. Regardez. Alors ça, ce sont des stylos à billes effaçables. Donc, est-ce que tu veux ceux-ci? Regarde, ils sont jolis. Il en faut deux. Il en faut deux. Tu les veux? Oui. Ok. Bon, tu peux les mettre dans ton petit panier. Il est là, le panier. Et là, on a Corentin derrière. Qui a déjà fait lui ses achats. Et oui. Mais dans une autre vidéo. Il y a tout dedans, ouais. C'était dans une autre vidéo. Ouais, mais il y a encore les étiquettes. Maintenant, il nous faut 5 crayons à papier HB.
Donc regarde le loutissier, on a peut-être des lots. Attends, on a peut-être des lots parce que comme il en faut 5. Non, bah non, en fait, il n'y a pas de lots. Est-ce que tu as trouvé quelque chose, toi? Des crayons à papier ici. On prend. Bah, car il y a les évolutions, il y a les crayons à papier normaux. Normaux. Là, il y avait gomme, sans gomme, tu veux lequel? Ceci là, on prend là, cela? Ah, sans gomme. Cela? J'aime pas. Non, on prend les normaux. Bah, ce sont des normaux. Les autres là, les verts. Les verts? Les autres, eux là. Ah, ce sont des deux H là. Ah. Bon, d'accord. On prend ceci? Ok. Ouais. Donc, on en prend 5? Ouais. 1, 2, 3, 4 et 5 crayons à papier. Eh bien, tu vas beaucoup écrire. Ils sont sans gomme. Ah, non, oui. Ils sont sans gomme. Parce que moi, je préfère gomme à côté. Ils nous disent qu'il nous faut 2 gommes, mais je pense qu'une seule gomme suffira, non? Oui. Moi, parce qu'on n'utilise jamais 2. Hein. Au pire, on t'en achètera une en cours d'année. Est-ce que tu sais où sont les gommes, toi? Là. Ici? Ah, ben oui. Je choisis tout de suite elle. Fais voir. T'en fais voir. J'ai pris la même l'année dernière. Ah, mais regarde, ça a sorti à ton cartable. Oui, j'ai pris la même l'année dernière, sauf qu'elle était rose et noire. Rose et noire, elle était? Elle va être jolie. Hein. À mon ciseau, elle était. Alors, ok, donc c'est parti pour la gomme. Ensuite, il nous faut une règle plate graduée de 20 cm. Alors, les règles, je crois qu'elles sont derrière là. Tu viens? Oui, là. Elles sont ici, ouais. Tout à fait. Il nous faut une règle de combien de mètres? Ouais. Combien de centimètres, tu veux dire? Ouais, je crois que c'est 20 cm, si elle confond avec 20 mètres. 20 cm, alors regarde ce qu'on a en 20 cm. Alors on a des petites règles vertes. Non, pas vertes, ok. On a des petites règles 15 cm, c'est loupé. On a des 20 cm en bleu, en vert, pas vert. Qu'est-ce qu'on a encore? 1 euro, trop cher. Celle-ci? Ah, c'est ça. Ok, bon, tu veux celle-là en bleu? Ok, bon, bah, une règle bleue alors. Il est où, papy? Bah, il est où? On l'a perdu. Ensuite, il nous faut 8 bâtons de colle. Alors, la colle, regarde, elle est juste derrière. Donc, elle est là. Et il nous en faut 8. Alors, ce sont pas des gros. Ah non, pas des gros. Oh, pas la Cléopâtre. Pas Cléopâtre non plus. Il nous faut bah, les sticks, comme ça, les bâtons de colle, mais des comme petits. Voilà, comme, non, pas de cette taille. Les 8, 10 grammes, alors ce sont lesquels? Ce sont ceux-ci là, ce format-là à peu près. Il en faut combien? Il en faut 8. Voilà où je suis. Alors, des lots de 3 où? Ici, hôtel Francis. Ah, regarde Loulou, Louloute. Là, il y en a. Oh, regarde, il y en a plein là, comme ça. Ils sont chouettes ceux-là. Bon, au pire, tu passes là. Regarde, il y a les couleurs. Ah oui. Ils sont chouettes ceux-là, non? Voilà, ouais, sinon, il y a ça. Est-ce que la colle, elle est colorée? Non, elle n'est pas colorée, Lou. C'est ce qui existe des colles. Elle est blanche. Alors, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Voilà. C'est tout pour oui. Assez de colle? Ok. On fait pas de slime avec. Hein. Oui. Ensuite, après la colle, donc il nous faut une paire de ciseaux à bourron. Alors, ceux de l'année dernière étaient un peu petits. Mais par contre, il faut des... Tu écris de quelle main, toi? Gauche. Donc, on va voir si on a un rayon gauché. Il me semble que j'ai vu tout à l'heure un rayon gauché. Là, ici? Ouais. Ça, c'est ciseaux pour droite. Et regarde, gaucher. Je crois que j'ai vu un rayon spécial gaucher. Regarde, viens voir, viens avec moi. Viens. Oui, moi regardez, les amis, on a pensé au gaucher cette année. On a un rayon spécial Mappette gaucher. Ah, ça, c'est trop bien. Et voilà, alors, j'ai trouvé tout de suite mon ciseau. Ça, c'est gaucher droité. Gaucher droitier. Non, ça, c'est marqué quoi? C'est marqué gaucher, Loulou. Mais c'est pas celui que tu avais l'année dernière? Non. Ah non, ok. Mais si, c'est... Mais c'est pas bourron, ça? Ah. Ah, bah attends, on va voir si on a autre chose. Pardon, Loulou? Ah, c'est eux qui ont bourron. Et eux, par contre, c'est ceux-ci ont le bourron, ouais. Tu veux ceux-ci? C'est eux qui ont gaucher droitier. Il y a ceux-là aussi. Mais eux, c'est gaucher droitier. Non, c'est tout gaucher, Loulou. C'est un rayon que pour les gauchers. Comme ta sœur. Ceux-ci? Bah ils sont là, ils sont devant. Non mais ah oui, eux ils sont noirs. Ça y est, Océane a fait son choix, donc ce seront des voilà petits ciseaux bleus et roses. Et en plus ils sont tout mous, regarde, tout ouais. Mous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Des crayons de couleur dans leur boîte d'origine. Donc je pense que
Il faudrait peut-être les prendre dans une boîte métallique, ce serait peut-être mieux, non? D'ailleurs, regarde, ils sont là, les crayons de couleur, t'as raison. Et qu'est-ce que tu as vu? Ah ben voilà, une boîte métallique, super. Ben nickel. Ben, nickel, Chrome. Dommage parce que moi, je voulais un rose. Tu voulais un rose fluo. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et il nous faut aussi, donc, qui dit crayon de couleur, dit feutre. Pareil dans sa boîte d'origine. Oh, bah, alors, qu'est-ce qu'on a pas là en boîte d'origine? Il n'y en a pas dans la boîte métal. Alors, il n'y a pas de boîte métallique, non, pour les crayons, les feutres, pardon. Par contre, on a des choses super sympas, là, comme ça, là. Regarde. Non, ouais, ça, c'est, il n'y a que 12, en fait. Là. Je vais prendre des gros, moi. Ah, regarde, hein, 42 produits, non. Moi, je prends eux. Non, ce sont des pointes moyennes, ce qu'il te faut. Alors, bah, tant pis, hein. Oh, regarde ça. Regarde le loot. Cool ça. On perd plus les bouchons avec ça. Non. Non? Non. Bon. J'avais eux avant. En tous les cas, c'était super sympa. Eux, j'avais avant. Tu avais eux? Oui. Ouais, mais peut-être 18, non? Ce serait peut-être mieux, non? 18. Oui. Regarde. Ils existent en 18, ils sont là. Ils sont là, regarde. Donc, comme tu dis. Ceci? Ouais, ça suffit 18, hein? Oh, mais eux, ils sont pas. Il y en a un, la couleur que tu veux. Il y a la couleur que tu veux, elle est là. Ah oui, beige. Nickel. Maintenant, il nous faut une ardoise effaçable avec un chiffon et deux feutres Velleda bleus ou noirs. Enfin, ils n'ont pas précisé la couleur, des donc je crois que c'est derrière. Il me semble que c'est derrière. Oui, déjà, on va prendre les feutres Velleda. Ouais, et puis l'ardoise aussi. Je crois que c'est derrière, regarde. C'est ici, non? Au bout? Non? Non, c'est attends, pas là? Je me suis trompée, c'est ici alors. C'est ici! Et alors voici les ardoises. Donc là, il y en a plein. Oh, il y a une jolie couleur qu'on n'avait pas. Un joli cette couleur. J'aime pas. Bon, bah, ça reste classique, hein, les ardoises. Hein. Bien, il y a celle-là aussi. Ah, bah, avec en bleu. Oh. Ah non, regarde, il y a rouge. Là. On écrit les chiffres sur celle-là. Ouais, celle-ci, c'est pour écrire les lettres. C'est plus pour la, c'est plus pour la maternelle, ça, non? Ça, ça okay. Moi, on enlèvera le feutre Velleda déjà. Ouais, donc tu veux celle-ci? Ouais, okay. Et on prend deux feutres Velleda. Ok, les donc deux feutres Velleda, ils doivent être là, alors à côté. Là. Là. Donc il y en a déjà un dedans. Bon. On va voir derrière si on trouve, parce qu'on va peut-être pas apprendre toutes ces couleurs. Alors que tu n'auras jamais besoin de tout ça. Hein. Là, il y en a beaucoup trop. Hein. À moins qu'il y en ait là, viens voir Louloute. Ah, ici, regarde, j'ai trouvé. Ils sont là, les feutres Velleda. Regarde, voilà. Et là, c'est les couleurs que tu utilises. Nickel. Ensuite, ils nous disent qu'il nous faut une boîte de pastilles gouache. Donc là, on a un rayon des peintures. Donc ce sont les peintures, vous savez, sur les pastilles. Ah ben là, regarde. C'est ça en fait qu'il te faut. Donc bah écoute, j'en vois pas d'autres. Hein. Il y a celui-ci, ouais. Il y en a d'autres en bas ou pas? Ah, il y en a en bas aussi. Comme tu veux. Celui d'en bas, peut-être, il y a plus de choses. Lui. Je veux voir. Alors, lui ou lui? Vas-y, c'est toi qui dis. Lui, parce qu'il en reste plus beau. Ouais, c'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus, fais voir. Elles sont beaucoup plus flashy les couleurs. Hein. Effectivement, elles sont super belles les couleurs. Puis il y a des petites étoiles dedans. Ouais, bah vas-y. Super. Elle est trop belle ta palette de peinture. Ensuite, on continue avec une trousse. Ça, on l'a pris. Tu vois qu'il fallait une trousse. Et on continue avec les cahiers. Donc là, il nous faut 3 x 48 pages. Grand carreau. Donc ce sont des petits. Bleu, jaune, rouge. Allez, au cahier, c'est derrière. Oh oh! Et on a trouvé les cahiers, donc il nous faut en 48 pages bleu, jaune et rouge. Donc est-ce qu'on a du bleu? Non. Bleu. Il est là. Hop. Bleu. Jaune, il nous faut. Jaune. Est-ce qu'on a du jaune là? Hein, je vois. Ah si, il y en a un. Alléluia, il n'y en a plus qu'un. Jaune. Oh, il est beau ce jaune! Rouge et rouge. Alors le rouge, je l'ai vu tout à l'heure. Il est non, ça c'est rose. Il est ici. Voilà. Ça y est, on a les trois couleurs. Il est trop beau le jaune, j'adore. Ouais, j'adore le bleu. Il est trop beau, oui.
On continue avec un cahier de travaux pratiques en petit format, par contre, cette fois, hein, 96 pages. Alors, travaux pratiques, c'est ici. Et il nous faut un petit. Alors, travaux pratiques petits, ils sont là. Voilà. Et on a dit combien ? 96 pages. Oui, je... Non. Enfin, oui, si tu veux. Tu veux que je te porte ? Pour les attraper. Et tu veux quelle couleur ? Alors, il y a que du bleu et du rouge. Hein. Yeah. Ouais. Allez, hop, on porte Océane. Là. Attrape-le, attrape-le. Voilà. Non, un seul, ça suffit. Voilà. C'est bon, ça te va comme travaux couleur pratique, c'est les poésies. Moi, je préfère c'est pas ça, en c'est avoir pour deux. Les poésies, ouais. Moi, je préfère pas en avoir deux. Sinon, ça veut dire que t'as beaucoup de poésie à apprendre. Ah ouais. Alors ensuite, il nous faut donc deux cahiers 96 pages en 24-32. Donc deux cahiers 96 pages en 24-32, il ne précise pas la couleur. Ouais. Donc du 24-32, il est où il est pas là. Si les 24-32, ils sont là en 96 pages, ce sont ceux-ci, Océane, qu'il te faut. Donc il t'en faut deux, tu choisis les couleurs que tu veux. Alors moi, je trouve que le rose est très beau, mais aussi le orange, j'aime bien. Le violet est très très beau aussi. Le violet. Il y a violet plus comme ça, regarde. Ah non, violet comme ça, rose comme ça. Violet comme ça, rose comme ça. C'est trop trop beau, c'est assorti encore à ton cartable, encore une fois. Hein. Trop trop beau. Ok, donc on continue, on est presque à la fin, les amis. Donc il nous reste quoi? Donc il nous reste 4 protège-cahiers. Rouge, bleu, vert et jaune. Si la couverture n'est pas polypro. Ok, bon, ça c'est fait. Donc on a polypro. Un protège-cahier pour carnet de correspondance. Ça c'est à l'école. Un porte-vue, 80 vues. Ok, donc un porte-vue, je pense que c'est derrière. C'est derrière, derrière, derrière. C'est quoi? C'est pour mettre des documents à l'intérieur. Ce sont des cahiers avec plein de pochettes plastiques à l'intérieur. Ils sont ici, les porte-vues. Donc, voilà, ouais, les 80 vues. Donc, je suis tombée pile poil dessus. Donc, on a tout ça, louloute. Voilà. Donc, je sais pas, tu veux choisir une couleur. Tu vois, tu as du rose aussi, si tu veux. C'est un 80 vues aussi en rose. Oui, c'est. Non, c'est. Oui, c'est un 80 vues. C'est. Non, un 40 vues. Ok. Ah, il est là, rose, regarde. Rose 80 vues, il est là. Il en faut un ou deux? Il en faut qu'un seul. C'est 80 vues, c'est ça. Voilà, donc tu vois à l'intérieur, il y a plein de pochettes plastiques, regarde. Tu vois? C'est comme ça. Ah oui, c'est comme toi, maman. C'est ça. C'est comme mes albums, en fait, aussi. Ok, donc on continue, donc on est à la fin, là. Il nous manque une pochette de feuilles papier vitrail. Alors, je sais pas ce que c'est. Des gobelets en plastique et des mouchoirs en papier. Bon, bah ça, on a à la maison. Donc, il nous manque et deux pochettes cartonnées à rabat élastique. Ok. Donc, deux pochettes cartonnées et une pochette de feuilles papier vitrail. Nous avons donc les chemises cartonnées à rabat élastique. Donc, elles sont ici. Donc, regardez tout ce qu'il y a là en bas, louloute. Voilà, il y a tout ça. Il y en a d'autres là-bas, mais bon, je pense pas que ce soit indispensable. Donc, il y en a une rose, forcément. Une rose. Il en faut combien? Deux. Et une violette. Ça m'aurait étonné du contraire. Donc, une rose et une violette. Encore à sortir mon cartable. Comme d'habitude. Et ouais, tu vas être très fashion à la rentrée, dis donc. Et maintenant, il nous manque plus que le papier vitrail. Alors, je pense que c'est derrière. Tu viens, louloute? C'est pas là. Aïe, 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 aïe. Je me suis cognée. Je me suis cognée. c'est où? Je sais pas où c'est. Ah, c'est peut-être là-bas. Alors, viens, 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 viens. Ici, louloute, ici, j'ai trouvé. Et ici, donc, nous avons peut-être du papier vitrail parce qu'il y a tout ce qui est papier canson. Donc, on y va. Papier vitrail, je sais même pas à quoi ça ressemble, les amis. Même pas à quoi ça ressemble. On a trouvé le papier vitrail. Tu nous montres un peu ce que c'est, le papier vitrail? C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est une vendeuse très très gentille qui allait nous chercher. C'était pas du tout au rayon en fait des fournitures scolaires, c'était au rayon créatif. Donc ça ressemble à ça. À l'endroit, ça donne quoi sinon, Océane? Pourquoi c'est en vert? Ah, oui. Ah ouais, c'est en vert. Alors ce sont des feuilles en fait. Et on voit à travers. Voilà, des feuilles de couleur. Il y en a deux de chaque couleur. Et on voit à travers. Donc ça, c'est au rayon là-bas. C'est voilà, pratique. Dessin pour... coloriage c'est, ici. C'est voilà. Pratique pour les bougies en fait. Ouais, donc je sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec ça. Bah dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà acheté ça. Parce que moi, pas du tout pour l'école. À part le canson, ça non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, ça non, jamais. Toi non plus, jamais, non.
Moi, je ne connaissais même pas. Moi non plus. Les loulous, nous avons terminé nos achats. Ça y est, on est bien fatigués. Hosanna, on peut plus. On a le panier qui est bien plein. On va aller boire un coup, nous. On va aller rentrer à la maison, s'y préparer notre cartable. Est-ce que ça t'a plu, cette petite chasse aux fournitures scolaires? Moi, je prépare mon cartable. Oh, ben non, on le préparera à la maison quand même. Alors, les amis, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous avez la même chose qu'Océane au niveau du cartable, alors refais voir ton cartable un peu comme il est beau. Regardez dedans, il y a plein de pochettes. Ouais, mais en fait, il y a plein de pochettes dedans, mais trop bien. Ben voilà. Ben dites-nous si vous avez la même liste qu'Océane, peut-être, je sais pas, les mêmes choses. Et puis les amis, on va vous laisser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Un petit pouce vers le haut. Il y a Corentin qui est en train de faire je sais pas quoi à ses orteils. Je sais pas quoi. D'accord. En fait, si tu veux, je vais arrêter. Et si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les copains? Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao ciao. Ciao ciao les amis, bisous bisous.